Bonsoir. Perez, congratulations on the win. French fighters are now 2-0 tonight. How does it feel to get the win here in France? Hi, I'm very happy because Benoît did a very good fight. He won by knockout. I wish for him performance of the night, and he helped me with this win to give all of my heart for this fight. What did you think when you made that walk out to the octagon? When I listened all of the arena, first rest, so much energy, I feel great. And how much does it mean to you, not only to obviously get the win here in France, but to get back in the win column as well? It's like a dream, because for me, fighting France, first time with UFC, first time in MMA for me in France, super happy. And you know, he was making his UFC debut coming into this. Was he what you expected? How would you break down your performance tonight? He's a tough guy. He's a tough opponent, so hard to finish him. I wish to finish him in the third round with the spinning elbow, but he's tough. And after the second round, no energy. I fight only with my heart. Did that help, having the crowd behind you? Did that feed you, give you that energy? Yes, because you see, one time he take me armbar, one time he take my back for finalize rear naked choke, but the energy was, I think my fight, not all arena was full, but people cry a lot. And you normally train at Killcliff, but I think you trained at home in France for this one, right? How much of a difference did that make for you? The difference is only with a sparring partner and my coach Henry Hooft, my head coach. I feel good because I won tonight, but I need more to finish the fight. Do you criticize your performance then? Do you feel like you could have done perhaps something a little bit differently? Yeah, because I'm a striker, and tonight I wrestle on grappling, so I don't finish, but I'm happy to fight in France, first time in UFC Paris. It's historic, and I'm happy because I won 2-0 for French team, so let's go, let's do this. And last one for me, what do you want next? Next, I want Abu Dhabi, but the card was full. You know, in Abu Dhabi, I have 2 fights, 1 lose, 1 win. But let's go Abu Dhabi. I have no injury. I'm fresh. Would you like to be a replacement, perhaps, if that opportunity comes up? Let's go 100%. I'm a fighter. I need fight. I need money. Let's go. Thank you. You're welcome. Congrats, Fares, over here to your left. Yes. Did you manage to have that cold drink you're looking for at the end of your fight? What? T'as dit que tu voulais un boisson froid afin de ton combat. Ouais, j'ai dit un Pepsi parce que je boycotte Coca. Non, je rigole. Mais j'ai dit un Pepsi bien frais, chacal. Did you get it? No, but I get a fresh Powerade, so it's good. Listen, you told us that you were, you know, a little bit fatigued by the end of your fight. Do you believe that fighting and competing in front of your people here in France required a lot more energy than usual? Yeah, you know, in the fight week, little bit pressure because, you know, all camera, lot of interview, lot of people cry, hey, Fares, you know, a lot of fans. But when I become and I see all people says my name, says, you know, the arena was... I'm a lot of energy, yes, a lot of energy. Merci beaucoup et congratulations. Merci. Bonsoir Fares. Yes. Félicitations pour ta victoire. Merci. Tu l'as dit toi-même, tu as lutté ce soir et plutôt bien. Est-ce que tu as mis l'accent sur cet aspect de ton jeu dans ta préparation? En fait, après ma défaite de mon dernier combat, j'ai beaucoup mis l'accent sur le sol et sur la lutte, oui. Parce que j'ai trouvé que c'était un gros point faible, mais j'ai pas oublié mes points forts. Mais juste ce soir, c'est que ça m'a surpris que je l'emmenais aussi facilement. Du coup, j'ai accentué la chose et j'ai vu que ça marchait et on l'a fait. Est-ce que avec ce retour à l'UFC, on peut dire qu'on a là un Faresiam 2.0?
Pas encore. On peut pas dire ça parce que j'ai pas fini le combat déjà, mais j'ai encore des points à travailler. Mes coachs me l'ont dit. Donc le 2.0, ça sera pour bientôt. Merci. Bonsoir Fares, juste ici. Yes. Ouais. Félicitations pour cette victoire. Donc ce soir, la soirée, elle est parfaite pour toi. Mais on sait que voilà, ces derniers temps, ton parcours a été un peu semé d'embûches en février 2022. Bon, tout le monde le sait ici, mais voilà, l'UFC ne propose pas de nouveaux contrats. Comment tu as réussi à te reconstruire et est-ce que justement ça a été une motivation supplémentaire pour prouver que tu avais les qualités pour performer à l'UFC? Alors en fait, après ma défaite, j'étais un peu mis sur le côté par l'UFC et pendant un mois. Et un mois après, mon manager Ali Abdelaziz m'a dit que j'allais avoir un nouveau contrat. Donc j'étais super excité et ça m'a motivé pour m'entraîner tout l'été. Je suis resté prêt tout l'été pour l'UFC Paris. Il m'a dit que j'allais combattre à l'UFC Paris. Je l'en remercie et c'est fait et j'ai gagné. Et justement, pendant ces un mois d'attente où tu es un peu dans le flou, là, je parle même pas physiquement, mais plus psychiquement, mentalement. Comment tu as réussi à, tu vois, te reconstruire, passer un peu à autre chose et te dire qu'au final, la vie continue même sans l'UFC, tu vois, même si tu n'avais pas eu de nouveau contrat? Eh ben, en fait, ce qui est bien, c'est que j'ai un super entourage. Ils m'ont tous motivé à rester moi-même, combattant, malgré que l'UFC, c'était fini. On pensait déjà à la suite, où aller, où signer. Et ils m'ont motivé à revenir à la salle. Ils m'ont juste dit de prendre le temps, de partir en vacances. J'ai fait ça et après, je suis retourné à la salle. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est un comeback parfait? C'est un comeback parfait. J'aurais préféré la finition, mais on a gagné. Super, félicitations. Merci. Bonjour Fares, félicitations pour ta victoire. Hein. Olivier. Alors, je vais poser des questions qui ont été posées en anglais, en fait, mais pour le public français. Tu vas peut-être radoter un peu. Déjà, j'aimerais savoir tes émotions quand tu arrives dans la salle, forcément. Émotion de folie, hein, tu as bien entendu. Même un des caméramans, il m'a pris à part, il m'a dit « Oh, quand tu es rentré, c'était un truc de fou. » Même durant certaines phases, quand tu l'emmenais au sol ou que tu sortais de moments difficiles et que tu sortais des skills, il m'a dit c'était fou et beaucoup d'énergie dans cette salle. J'ai hâte de voir Cyril. Ouais, c'est vrai. Ouais. Du coup, il y avait une stratégie particulière pour ton combat? La stratégie, c'était de le garder à distance parce qu'on savait qu'il voulait me rentrer dedans avec sa boxe anglaise. Mais j'avoue qu'il m'a un peu surpris parce qu'il l'a très bien fait. Il a enchaîné corps-visage. Du coup, ça m'a surpris. Moi, je m'attendais qu'il fasse que visage parce que dans ses derniers combats, c'est ce qu'il faisait. Et du coup, quand il m'a collé contre la cage, il a voulu m'emmener au sol, j'ai défendu et c'est moi qui l'ai emmené. Et je me suis dit que c'était la solution, en fait. Et tu as lancé un super coup de coude retourné. Quand tu t'es retourné, justement, tu t'es dit « j'espère qu'il va tomber ». Purée, j'ai dit quoi? Est-ce que je le fais? Je me suis vraiment posé la question « est-ce que je le fais ?» Et j'ai dit 1, 2, 3, boum! Et il est tombé et j'ai cru que j'allais le finir. Je me suis dit « yes, 50 G's !» Malheureusement, non, mais au moins, je suis content de la victoire. Alors, est-ce que du coup, selon toi, c'est ta plus belle victoire à l'UFC? Je pense que oui, c'est une belle victoire. Il y en aura d'autres. Et pour l'instant, selon tous mes combats, contre Mularquet, c'était assez serré. Mais j'ai montré aussi à la fin que j'en voulais, que j'avais du cœur. Mais oui, c'est ma plus belle victoire. Alors, selon toi, c'est quoi la suite pour toi? Tu as un adversaire en particulier. On sait qu'à la conférence de presse, tu avais parlé de McKinney. Enfin, tu étais revenu sur ton combat avec McKinney. Oui, en fait, McKinney, pour moi, c'est pas un... Enfin, ça a été un problème en février parce qu'il m'a soumis en 2 minutes. Mais maintenant, je sais c'était quoi le problème. Et je pense que c'est un adversaire à la longue que je bats et que je finalise. Merci, Fares. Merci à toi.